Faciliter la fiabilité et la traçabilité des marchandises en transit pour les opérateurs économiques et des agents de douane en charge du régime de transit, le tracking, dénommé Ekenge, que le concepteur a mis sur pied cette plateforme de suivi électronique disposant des balises permettant de localiser facilement les marchandises, comme le souligne ici le chef de service information des douanes et des droits indirects. Quand un importateur déclare une marchandise qui est censée être en transit, il souscrit sa déclaration dans le système douanier. Et donc, les deux systèmes étant interconnectés, alors on engage la procédure du bordereau de suivi électronique sur chacun de ces véhicules qui est posée une balise pour nous permettre de suivre depuis notre plateforme les mouvements de cette marchandise. La mise en place de cette plateforme a été saluée par le directeur général des douanes et des droits indirects. Hier, e-douane, aujourd'hui, e-tracking dénommé Ekenge, vigilance en français. Ekenge, plateforme électronique conçue pour la gestion du régime de transit douanier en République du Congo. L'objectif général de cette plateforme est de s'assurer que les marchandises déclarées en régime de transit atteignent effectivement leur destination déclarée. Conçu par Webfontaine, le tracking donne aux opérateurs économiques la possibilité de télécharger automatiquement les données de leur déclaration de transit depuis le Sidonia World afin d'enregistrer leur bordereau de suivi électronique.